Mon Dieu, Mozart, le divin Mozart. Vous aimez aussi sa musique? Oui, énormément. Connaissez-vous ce morceau? Non, dommage. Aimeriez-vous l'entendre? Oui, mais où? Les concerts sont rares l'hiver ici. Quelques-uns de mes amis ont formé un orchestre de chambre. Si vous le voulez, ils joueront pour vous demain soir. Voici ma carte. Je suis François Duval, je... Monsieur est attendu, je vous conduis à monsieur. Ah monsieur, vous êtes exact, c'est une grande qualité. Mes amis, voici l'invité dont je vous ai parlé. Un amateur de musique et un connaisseur. Monsieur Renaud, qui fut militaire en Afrique. Monsieur Laville. Monsieur Beaumont. Monsieur Bernard Salvetta. Et Simon, un cousin. Si vous voulez bien vous asseoir, nous allons commencer tout de suite. Marceline, voulez-vous préparer les boissons pour tout à l'heure? Admirable, vous êtes des virtuoses. Vous exagérez, cher monsieur. Ah non, je le pense vraiment. Il n'y a qu'un détail. L'attaque, je l'aurais vue plus nerveuse, plus moderne, enfin... Ah oh, ce n'est qu'une question de goût personnel. Il y a tant de perfection dans votre interprétation. Déjà presque minuit, il est temps de partir.
ça m'a fait rire, mais il faut que je retrouve mon air de circonstance. Je voulais avoir l'air indigné. Indigné parce que dans le courrier, on me demande où est passé Christian. Christian qui venait là tous les soirs chanter ses petites chansons et nous faire rire et puis donner son avis et puis parler avec toi. Alors, mon gars, tu veux peut-être les clés ? Non, mais je vais chercher mon briquet que j'ai oublié tout à l'heure. Ah, mais t'es pas gonflé, toi, dis donc. Pourquoi ? Sans doute que Monsieur Valentin dort, mais... Eh oui, il dort, Monsieur Valentin, depuis 20 ans, sous une dalle de marbre. Allez, mon gars. Bien, on va s'expliquer au commissariat. François Duval, professeur, c'est bien ça. Rien que de bons renseignements sur votre compte. Mais alors, que vous est-il arrivé ? Vous avez bu ? Vous vous droguez ? Non, non, mille fois non, j'en ai marre à la fin. À 9h, j'étais chez M. Valentin pour écouter le quintet formé par ses amis. En partant, j'ai oublié mon briquet. C'est pas un crime ? Pas que je sache. Mais pourquoi cette justification idiote pour pénétrer dans une maison inhabitée ? Que cherchez-vous ? Mon briquet. Allô ? Oui ? Ah. Ah, très bien. Oui. Intéressant. François Duval, nous avons trouvé le propriétaire de la maison. Le petit-fils de M. Valentin. Elle est inhabitée depuis le décès de son grand-père. Il accepte de nous la faire visiter. On y va. C'est le portrait de M. Valentin ? Oui. J'ai très peu connu mon père. J'avais 3 mois quand ma mère est morte. On m'a mis en nourrice. Mon père est resté ici presque seul. Il n'a pas survécu longtemps. Oui, j'étais assis là. Ils étaient sur ces chaises. La pendule. Et le voilà, mon...
expliquer, je n'ai pas rêvé. Cette histoire est complètement loufoque. Hein, mon gars? Je vais te faire inculper d'outrage à magistrat. François Duval, ça t'apprendra à faire le clown. Duval! Mais, Duval, où es-tu passé? Il a dû sortir. Je suis là. Le briquet, je l'ai, regardez. Mais regardez, attendez. Attendez-moi, le briquet. Thank you.